Salam alaikum, Mazur Filaoun, bonsoir. Les Zawiya, Zoui, en Algérie et dans tout le Maghreb par ailleurs, ont de tout temps joué un rôle politique ou un autre, honorable ou moins honorable. C'est l'histoire. Et celle-ci est riche, très riche, de péripéties, de vicissitudes, d'événements qui ont marqué l'histoire de notre pays, de notre région, où les Zawiya, Zoui, ont joué un rôle parfois crucial, dans un sens ou dans un autre. L'une d'elles, l'une de ces Zawiya, une très curieuse Zawiya, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle s'appelle Zawiya Sidi Merzouk, près de Djelfa, sauf qu'on sait qu'elle est très liée avec le régime, qu'elle a pignon politique sur, j'allais dire sur rue, sur boulevard, disons, vient de défrayer la chronique d'une façon tout à fait inédite, en se prêtant à une grosse opération de blanchiment de M. Chekib Khalil, sur lequel pèse pourtant de très lourdes présomptions d'indélicatesse, pour le moins que nous puissions dire. Chekib Khalil a été interpellé de façon publique par le procureur général d'Alger, près la cour d'Alger, par la justice algérienne donc, et cité de façon très compromettante par la justice italienne, sans compter les très nombreuses frasques qui lui sont reprochées et pour lesquelles il n'a attaqué personne pour diffamation. Le régime, pour des raisons que nous ne savons pas encore, contraint et forcé ou libre de son choix, a décidé de le rapatrier après qu'il ait pris la poudre d'escampette dans des circonstances pour le moins rocambolesques. Mais plutôt que de faire annuler la procédure qui a été lancée contre lui et de le réhabiliter de façon légale, c'est cette Zawiya qui a été sollicitée pour jouer le rôle qu'on voulait peut-être moral, qui sait, de laver plus blanc que blanc l'homme qui passe pour être le plus corrompu que le pays ait connu depuis son indépendance. La palme lui a été attribuée par un peu tout le monde. C'est lui qui aurait été le cœur battant d'une systématisation de la grosse corruption pour permettre au clan Bouteflika d'acheter tout ce qui compte dans le sérail. Et la dite Zawiya a répondu avec un empressement rare à cette sollicitation. Son coordinateur, ou celui qui se présente comme tel, a répondu présent, doigt sur la couture de la Jellaba Wibriya. Cette Zawiya allègue le motif de règlement de compte pour blanchir le désormais Sidi Khalil. Mais ne serait-ce pas là le rôle de la justice, plutôt? S'il est question de règlement de compte,
et d'une justice qui aurait été instrumentée pour flétrir l'honneur et la probité d'un homme et d'un grand serviteur de l'État par surcroît. Ne serait-ce pas à cette même justice de faire amende honorable, de reconnaître publiquement qu'elle s'est prêtée à un lynchage politique et de réhabiliter par des voies légales et judiciaires surtout l'homme et le serviteur de l'État qu'elle a sali, traîné dans la boue? Pourquoi une zaouïa connue pour sa proximité, voire son acquaintance avec un clan du régime, celui qui tient le haut du pavé en ce moment, s'investit-elle de cette bien curieuse mission? Pourquoi? En tous les cas, cette implication tonitruante de la zaouïa de Sidi Merzouk dans cette sale affaire, pour appeler les choses par leur nom, n'a rendu service ni à Sidi Chakib Khalil, qu'elle a enfoncé à un point à peine imaginable, ni aux autres zaouïas du pays qui souffrent depuis un certain moment déjà d'une exécrable réputation, bien souvent à la limite de la calomnie d'ailleurs. Les ennemis naturels des confréries religieuses et du soufisme en particulier, le courant wahhabite en particulier, fait feu de tout bois avec cette affaire Chakib Khalil. Je veux dire que c'est le courant wahhabite qui fait feu de tout bois contre le soufisme. Chakib Khalil, c'est pain béni pour ce courant. La preuve par neuf, l'argument massu que les zaouïas qu'il voue aux gémonies sont bel et bien des épiceries religieuses, des fonds de commerce en bondieuserie pour Nigo. Et c'est l'occasion aussi pour ces courants ultra-salafistes, de rappeler tous les côtés noirs de ces huis, de leur instrumentalisation par le colonialisme, puis par le régime putschiste du pays depuis 1962 à ce jour. Et du coup, oublier la dimension spirituelle de la zaouïa, son profond ancrage au sein de la société algérienne, tous les rôles positifs joués par les confréries religieuses en Algérie, leur contribution à toutes les insurrections contre le colonialisme, à leur rôle dans la propagation de l'islam dans tout le continent africain, à leur rôle social, aux missions de bienfaisance. Cette zaouïa qui a adoubé Sidi Khalil vient de mettre toutes les confréries dans le même sac. Et le silence de celle-ci, le silence assourdissant de ces zaouïas, parce qu'elles ont peur du régime ou parce qu'elles adhèrent à cette démarche, à contribuer à les enfoncer davantage. Aujourd'hui, Al-Watan. Chakib Khalil reçoit les honneurs de la zaouïa de Si Mohamed Ben Merzouk. All Huffington Post. Chakib Khalil, honoré à Djelfa, déclare « Tout le dossier a été fabriqué, je suis une victime ». Le Libre Penseur. Chakib Khalil reçoit les honneurs de la zaouïa de Si Mohamed Ben Merzouk. Nous allons écouter un court extrait de la déclaration de ce monsieur qui se dit le coordinateur de cette zaouïa et de beaucoup d'autres zaouïas, peut-être même de toutes les zaouïas d'Algérie. Nous allons l'écouter. نحن مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم وغدا وأي قرار يتخذه فخامة رئيس الجمهورية احنا دائما معه أي قرار لا داعي لنقاشه مهما يكون هذا القرار نحن مؤيدون نحن مساندون نحن واقفون لأن حقيقة الرجل المجاهد وبفضله لهذا من يقول بأننا ابتعدنا على الرئيس أو نبتعد عن الرئيس هذا أمر لم يجرؤ أحدا على التفكير فيه أبدا نحن مع الرئيس أدامه الله له الصحة والعافية اليوم وغدا. Je vais recevoir Brahim Younsi qui est avec nous. Brahim Younsi qui est président de l'UDM. Et après, nous ouvrirons le standard pour permettre à nos téléspectateurs de s'exprimer sur cette très brûlante question. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, vous venez d'écouter monsieur le coordinateur de la zaouïa et des zaouïas, paraît-il, de toutes les zaouïas, ce qui se dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit qu'il est avec le président, quoi qu'il dise. Quoi qu'il fasse,
Il dit, sans aucune condition, sans aucune... et c'est le représentant d'une institution religieuse, soufie, spirituelle, qui le dit. C'est un acte d'allégeance. Oui, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout simplement. D'autre part, cela indique que si les Algériens ne le savaient pas, ils le savent maintenant, que l'islam n'est pas libre ou n'est plus libre, que l'État se sert de l'islam comme la France coloniale s'était servie d'un certain islam, et vous avez très justement fait la distinction entre ces zaouias résistantes qui ont résisté à la pénétration coloniale dans notre pays, à la colonisation française, la Qadiria notamment, il y en a d'autres. La Qadiria était la confrérie religieuse à laquelle appartenait l'émir Abd al-Qadr, dont le père Mahiddin était le principal chef avant l'émir lui-même. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais hélas, les zaouias, permettez-moi l'expression, se sont couchés par la suite, notamment au début et au milieu du XXe siècle, pour servir la colonisation par leurs pratiques, qui ne sont plus ces pratiques spirituelles, qui sont sorties de cette spiritualité pour des pratiques débilitantes, des pratiques de superstition, et des pratiques de collaboration. C'est ça aussi les zaouias dont pratiquement tout le XXe siècle jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Les zaouias étaient combattus, et notamment par quoi qu'on puisse reprocher à l'association des ulémas algériens ou ulémas algériens. Les ulémas algériens les ont combattus. Ont combattu leur escroquerie religieuse parce qu'ils intercédaient, comme ils viennent de le faire avec Cheikh Ibrahim, ils intercédaient entre l'ici-bas et l'au-delà, alors que cela est un acte prohibé par l'islam. Personne ne peut intercéder pour une autre personne auprès de Dieu et jouer les saints. Les marabouts. Les ulémas algériens ont combattu ces pratiques. Et les marabouts, le culte des saints était devenu tellement populaire que l'islam s'en était trouvé quasiment dénaturé. Brahimi aussi, j'aimerais faire une précision. D'abord au sujet du mot marabout. Vous êtes avec nous, Brahimi aussi. Oui, je suis. Alors, si je dis mot marabout, marabat, le mot est dérivé, il vient du mot almorabitoun, les almoravides qui ont occupé toute l'Afrique du Nord et l'Andalousie, comme tout un chacun le sait. Et donc, c'est resté almorabit, yani almarabat, c'est devenu. Donc, le maraboutisme, en fait, ce n'est pas du tariqisme, comme on dit, les zaouias et les confréries religieuses. C'était. À l'origine, les tariqats, les voies spirituelles, c'était du soufisme. C'était qui ont créé une sorte de filiale, des confréries religieuses, les zaouiates, qui généralement étaient construites autour du cénotaphe du dernier. Ils étaient considérés comme des saints, mais en fait, c'était des prédicateurs ou des chouyours ou des gens avisés. Et quand ils sont morts, on s'est mis un peu à transformer leur lieu en lieu de culte, presque à les adorer. Et là où je voudrais faire une précision aussi, c'est que ces zaouiettes, vous savez, c'est très ambivalent. Et la polémique qui a lieu en ce moment, qui est énorme, la polémique, je crois que les gens devraient faire un peu attention. Parce que d'un côté, ces zaouiettes, les Algériens les considèrent un peu comme leur islam authentique, très proche d'eux. Pourquoi ? Parce que dans ces zaouiettes, on enseigne le Coran aux enfants.
On reçoit les disciples à qui on apprend des rites, des actes de dévotion, on pratique de la bienfaisance, on reçoit des pauvres, on répand l'islam dans les pays subsahariens. C'est, par exemple, vous prenez la Tijaniya ou la Qadiriya ou la Rahmaniya, Shadiliya, ils ont répandu l'islam d'une façon très pacifique d'ailleurs. Et il y a l'autre aspect, mercantiliste, politique, qui l'a à servir le maître du moment, en effet, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit, hein, sans état d'âme. Je crois qu'il est très important de pouvoir faire la différence d'abord entre ces pratiques et les autres, mais aussi, si on peut, entre ces zawiyats et les autres. Parce que je présume que toutes les zawiyats ne sont pas à mettre toutes dans le même sac, si je m'exprime ainsi. Je suis très mauvais connaisseur en la matière, je suis désolé. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Et cette distinction, vous l'avez faite au début, vous venez de la faire à l'instant, et je l'ai faite aussi. Je l'ai dit, il y a les zawiyats qui ont fait un travail, bien entendu, qui ont eu permettez-moi ce terme, un apostolat, qui ont été des pasteurs, qui ont diffusé l'islam dans la population et qui l'ont diffusé à partir du nord du Maghreb jusque dans l'Afrique dont vous avez parlé, l'Afrique subsaharienne, etc. Si vous permettez, je vais revenir au mot de morabeton. C'est vrai que cela vient le mot de marabout vient des morabeton, mais le terme de ribat, le ribat lui-même, aujourd'hui beaucoup d'historiens et de linguistes, de philologues n'arrivent pas à dire d'où ça vient et ce que c'est. Les gens traduisent le ribat comme un couvent où se retrouver effectivement c'est une sorte de monastère. Ou monastère, la même chose. Mais d'autres historiens ou d'autres philologues parlent, quand ils parlent du ribat, le traduisent par l'endroit où l'on attache les chevaux. Donc il y a une ambiguïté à travers déjà ce mot, d'où vient-il, son origine et ce qu'il signifiait à l'origine. Donc pour les uns, comme vous dites, c'est un monastère ou un couvent, un lieu de prière d'où sont partis les morabetoun pour conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord. D'autres disent ils sont partis de Rebat, là où ils attachaient les chevaux, pour conquérir là où ils attachaient Rebat, etc. Là où ils attachaient leurs chevaux pour aller à la conquête de l'Afrique du Nord. Passons cela. Mais c'est vrai que les marabouts, le maraboutisme, à une certaine période de l'histoire de l'Algérie, et je ne mélange pas tout le monde, ont servi la colonisation d'une manière ou d'une autre par ce côté qui leur était reconnu d'être débonnaire, précisément de faire de la bienfaisance, etc., etc. Et tout cela, ce côté débonnaire qu'on leur reconnaissait, ce côté bienfaisant, etc., c'était aussi une influence qu'il avait sur les peuples, ou sur le peuple algérien en particulier à l'époque, pour les neutraliser. Or que l'action était une action aussi politique, et il fallait absolument résister à la pénétration étrangère, à la pénétration française. Nous retrouvons aujourd'hui, avec l'État algérien, le même phénomène. Depuis que Abdelaziz Bouteflika est à la tête de l'État, il y a une résurgence, une réapparition des zawiyats, et qui maillaient déjà l'ensemble de la société, notamment à l'intérieur du pays, et qui rejouent le même rôle par rapport à la fois à la population et à l'État. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez du soufisme, que nous ne sommes pas dans la pure invocation, comme le faisaient ou comme le font encore aujourd'hui dans certaines régions musulmanes du monde, les soufis. Et d'ailleurs, les soufis, généralement, c'est ce qui n'est pas admissible
en islam sur le plan théorique, le retrait du monde, parce qu'ils sont retirés aussi du monde. Or, le maraboutisme, le culte des saints qui existe chez nous, est un maraboutisme qui est dans la société, qui pénètre la société, qui travaille la société. Et le représentant de cette zaouïa, de ces démesures, le démontre excellemment, à savoir qu'ils sont soumis à un ordre et un ordre dont ils savent qu'il est injuste. Ils se soumettent, ils blanchissent un pouvoir dont ils savent qu'il pose des actes, pour parler comme les théologiens, qu'il pose des actes mauvais. C'est ça qui est problématique. Mais Ibrahim Younsi, est-ce qu'il faut pour autant jeter la pierre à toutes les confréries religieuses? Je vais vous donner un exemple. Ce régime se sert de tout ce qui peut le servir. Il s'est servi de l'UJTA, par exemple. Il s'est servi de l'Association des anciens moujahidis. Il s'est servi de l'Union des étudiants algériens. Et il s'est servi de toutes les organisations de masse qu'il a lui-même créées. Il s'est servi de la presse. Il se sert de tout ce qui peut être en intermédiaire entre lui et la population. Et c'est ça qu'on appelle les relais sociaux du régime ou sociétaux du régime. Mais est-ce pour autant qu'il faut jeter la pierre à toutes les zaouïas? Et si vous allez dire non, il y a d'autres zaouïas qui sont honnêtes, sont intègres, je vais vous dire pourquoi ne réagissent-elles pas dans ce cas? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais le pouvoir se sert de tout le monde, c'est vrai, il s'est toujours servi de tout le monde, mais il se sert des gens qui veulent servir. Oui. C'est ça le problème. Quand on ne veut pas servir, on ne sert pas. En effet. C'est ça, toutes ces courroies dont vous parlez, toutes ces organisations dont vous avez parlé, c'est parce qu'elles voulaient servir. Les gens se bousculaient même au portillon, comme certains zaouïas aujourd'hui se bousculent au portillon, pour servir le pouvoir. Je reviens à l'ordre injuste. L'islam n'est pas... c'est un euphémisme, n'est pas favorable, au contraire, il est contre et combat l'ordre injuste. L'islam, dans sa globalité, combat l'acte mauvais. Nahy bil munkar ou l'amr bil ma'rouf, ou l'inverse, l'amr bil ma'rouf ou nahy bil munkar. C'est ça ce qui est fondamental. Or, nous le voyons à travers... cette zaouïa, c'est le contraire qui se produit. Oui. C'est quand on blanchit quelqu'un accusé d'avoir détourné 200 milliards de dollars. Quelqu'un dans la justice... 200 millions de dollars, oui. Oui. Quelqu'un que la justice a accusé de façon claire sur des faits, sur des faisceaux qui lui sont reprochés, à savoir... Brahim Younsi, est-ce que vous avez lu le livre de Léon Roche qui a été contemporain de l'émir Abdelkader et qui a d'ailleurs infiltré l'émir Abdelkader, hein, qui a servi 10 années sous ses ordres? Il s'est même converti à l'islam, faussement converti, il le reconnaît lui-même. Et donc, c'était un officier de l'armée française. Et il a écrit un livre très, très intéressant, qui est disponible d'ailleurs sur le net pour ceux qui veulent le lire, en PDF, consultable gratuitement, qui s'appelle « 10 ans à l'ombre de l'islam ». Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Vous l'avez lu, Brahim Younsi? Non. Est-ce que vous l'avez lu? Oui, évidemment. Oui, alors, je raconte une anecdote qui racontée dans ce livre par Léon Roche. Qu'est-ce qu'il dit? À l'époque, depuis la chute de Grenade, depuis que les musulmans ont été contraints de quitter l'Andalousie, il y a eu une fatwa générale, aléha ijma', comme on dit à l'époque, qui demandait à tous les musulmans, en se référant au commandement divin et à la sunna, à tous les fidèles de ne pas vivre en terre, en dehors de Dar l'Islam, comme ils disent.
c'est-à-dire dans des pays qui sont commandés par des non-musulmans. Et donc, même ceux qui voulaient rester en Andalousie, qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient pas les moyens de quitter, ont été contraints de quitter l'Andalousie sous le coup de cette fatwa, au point où il y a même eu des gens qui ont vendu leurs biens pour aider, on les appelait Selakin, pour aider les derniers musulmans à quitter l'Andalousie pour ne pas vivre dans des territoires qui ne sont plus sous commandement de la charia, de l'islam, etc. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est que depuis, les musulmans n'acceptaient plus de vivre sur des terres dont l'Amri ne sont pas des musulmans. Et il y avait un problème en Algérie qui était sous colonisation française. Le djihad était latent avec l'émir Abdelkader. Et même après l'émir Abdelkader, les gens attendaient à chaque fois l'appel au djihad pour se lever. Pourquoi ? Parce que le commandement divin leur faisait obligation de ne pas accepter de vivre sous le commandement de non-musulmans. Or, Léon Roche va voir un général du service de l'époque et lui dit « Écoutez, moi je me fais fort de vous ramener une fatwa qui demande aux musulmans, elle leur dit ceci. D'accord, vous avez bien fait de djihad et tout contre le mécréant, mais à partir du moment où il vous a vaincu, et que vous n'avez pas le choix, il faut accepter de vivre sous son ordre, sous son autorité, et lui obéir. » Ah, le général lui a dit, « Comment tu vas ramener une telle fatwa ?» Il lui a dit, « Je connais une confrérie que je ne citerai pas aujourd'hui, une confrérie religieuse qui a beaucoup d'audience, très écoutée, et je vais lui demander... » Le général lui dit, « Non, 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 confrérie religieuse, ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est une fatwa générale, agréée par... le Zitouna de Tunis, l'Azhar d'Égypte, le Jam'a al-Madina ou Jam'a Mecca. » Alors Léon Roche lui dit, « Ok, si vous me donnez de l'argent, je me fais fort de vous ramener ce ijma, cette fatwa avec son ijma. » Et le général lui débloque beaucoup d'argent. Et donc Léon Roche se fait aider par cette confrérie qui lui ouvre la porte de Jam'a al-Zitouna. Il corrompt les savants de Jam'a al-Zitouna qui rendent la première fatwa. Cette fatwa-là qui a été demandée, ils la rendent, ils acceptent de la signer. Puis Léon Roche va en Égypte, il est supposé être musulman, hein, et il est recommandé par le grand leader, le grand cheikh de la dite Zawiya que je ne citerai pas aujourd'hui. Ensuite il va à Jam'a al-Azhar avec la même recommandation mais avec des sacs d'or. Et il obtient la reconnaissance de la première fatwa par Jam'a al-Azhar. Puis il va à Medina, al-Medina al-Munawwara, à Jam'a al-Medina, avec de l'or et avec la même recommandation, non seulement du Sheikh, mais des deux de Jam'a al-Zitouna et de l'Azhar qu'il a déjà faite. Et il obtient un adoubement par Jam'a al-Medina. Puis il va à la Mecque, et pareil, il achète les savants de la Mecque, avec les recommandations des autres universités, des autres Jouama, Zitouna, Al-Azhar et Al-Madina, et les chefs de Jama, Mecca, lui adoubent la même fatwa et lui donnent l'ijma général. Et il revient avec la première fatwa de l'histoire de l'islam et des musulmans qui acceptent et qui recommandent même aux musulmans d'accepter, après avoir lutté contre le mécréant, comme ils disent, d'accepter de vivre sous son autorité et même de vivre en ses terres, sans aucun problème. C'est la première fatwa et elle est toujours, et depuis les musulmans vivent en terres occidentales. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qui a été rapportée par Léon Roche, qui en était le principal acteur ? Et qui a été confirmé, très largement confirmé, par un peu tout le monde, hein, par tous les historiens. On ne connaît pas, je crois, de version qui nie l'authenticité de cette narration. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, là, à l'origine, c'était une confrérie religieuse algérienne, maghrébine du moins, qui était derrière. Oui. Je vous demande votre avis. Cela démontre que tout s'achète. Oui, malheureusement. Oui.
C'est ça, à ce ça point, à ce point. Ouais. La morale de cette histoire et de ce que raconte ou racontait Léon Roche, c'est que tout peut s'acheter et tout s'achète. Alors que l'Ijma', ce n'est pas cela. L'Ijma', ne se fait pas autour d'une fatwa. Dans l'islam, il y a des conseils. Il y avait des conseils qui ordonnaient, qui liaient, qui déliaient. Et l'ijma' est un ijma'. Il y a un ijma' faible, il y a un ijma' fort, un ijma' général. Cet ijma' n'était pas suffisamment réuni, mais c'est vrai que les musulmans et à l'époque les musulmans, les lambda, faisaient confiance dans leur ulema et dans certains ulema, et je mets des guillemets. Donc ils appliquaient les fatawis qui étaient faites, surtout quand elles venaient de l'Azhar en particulier. Donc, en l'occurrence, cette fatwa, elle est venue jamais Zitouna, jamais l'Azhar, jamais le Medina, jamais Mecca. C'est incroyable. Oui. Hein. C'est un ijma' absolument inédit. C'est ce que dit en effet Léon Roche. Oui. Bon, mais connaissant le rôle que jouait, qu'avait joué Léon Roche auprès de l'émir, c'était un rôle d'espion, un rôle, et vous l'avez dit, un rôle d'infiltration, un rôle, ce que Laurence d'Arabie a joué quelques décennies après. En effet, exactement. Mais je serais curieux de savoir, parce que c'était une fatwa écrite, hein. Je serais curieux de savoir où elle se trouve en ce moment. Est-ce qu'elle est à la Bibliothèque nationale d'Alger? Est-ce qu'elle est, elle a été rapatriée en France? Je ne peux pas personnellement vous le dire, mais tous les pouvoirs se sont fondés, et ça, c'est ça aussi la morale de cela, se sont fondés sur, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de pouvoir religieux en islam, sur des supposés pouvoirs religieux. La France, et je reprends Ammar Ouzgan dans ses articles qu'il écrivait dans les années 50 dans Le Jeune Musulman notamment, à savoir que la France promenait partout sur le territoire algérien Blhemlaoui, comme lui, bon, le comparait à un singe, et quelqu'un qui faisait le clown et qui faisait le cirque. Aujourd'hui, on peut reprendre exactement la même image concernant ce coordinateur de cette Zawiya al-Marzouliya. C'est exactement la même à des années de différence, exactement la même situation. Nous sommes exactement dans la même situation. Mais pourquoi Brahim Younsi, les autres Zawiyettes ne réagissent-elles pas? Et on dit que qui se tait, consent. Et dans une telle démarche, se taire dans une telle démarche, c'est plus que consentir. Ceci est vrai, mais il y a aujourd'hui, vous savez, si on devait pointer du doigt tous ceux qui ne disent rien devant toutes les injustices qui se produisent, devant toutes les malversations qui se produisent, c'est beaucoup de gens. C'est la raison pour laquelle je me mets un peu en colère et je me fâche quand on incrimine seulement le peuple, alors que le coordinateur que nous avons entendu tout à l'heure fait partie d'une certaine élite. Je ne veux pas incriminer seulement les élites, évidemment, mais les élites, ce sont ceux-là les relais dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont les élites qui acceptent ou qui se proposent à la servitude. C'est la servitude volontaire. Et ces Zawiyas qui ne parlent pas. Mais Brahim Younsi, je rappelle que nous ouvrons le standard à partir de maintenant pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaitent s'exprimer sur la question. Mais Brahim Younsi, à la limite, moi je comprendrais par exemple que
l'UGTA serve de relais au régime et que tous les syndicalistes de l'UGTA se taisent pour des raisons ou d'autres, à la limite, généralement très mercantiles, hein, très opportunistes. Que les gens de l'armée fassent pareil, par discipline ou par intérêt, que l'Union des étudiants, que les partis politiques, mais des gens qui, dont l'existence, dont la présence est fondée sur la religion, sur l'honnêteté, sur l'intégrité, sur leur relation supposée à Dieu, sur une grande spiritualité qu'elle revendique. Et ces gens-là se tairent, ce n'est pas comme des UGTA qui se taisent, ou comme des militaires qui se taisent, ou des policiers qui se taisent. C'est ça le problème. Logiquement, non. Logiquement, non. Vous savez très bien que des musulmans ont servi la colonisation. L'ordre le plus injuste qui soit. Des musulmans qui ont servi quasiment la christianisation de l'Algérie, qui ont combattu par leur pratique l'islam, parce que ils propageaient des superstitions. Et en développant ces superstitions, ce n'est pas cette spiritualité dont vous parlez, c'est affaiblir le corps social pour se défendre contre l'invasion, contre la pénétration étrangère. Les Zaouias, certaines d'entre elles, ont joué ce rôle-là à l'époque coloniale et elles continuent aujourd'hui de le jouer, y compris par le silence. Je ne veux pas dire que... Tout à fait. Et nous allons prendre quelques appels, Brahimi aussi. Nous avons Yacine du Canada. Oui, allô? Allô, je vous en prie, Yacine. Oui, bonjour, Jamal Dine, je suis Yacine du Canada, oui. Bonjour, je vous en prie, vous en prie, exprimez-vous. Oui, salutations à votre invité. Merci. J'ai une question d'abord. Je souhaite savoir pourquoi il a créé un parti. Qui? Vous voulez parler de Brahim Younsi? Oui. Pourquoi donc il a créé un parti? Parce que cette question doit être posée à plusieurs personnes. Je respecte bien cette personne, à savoir donc... excusez-moi, Brahim Younsi, donc que je respecte bien pour ses interventions. Mais cette question me taraude beaucoup. Très bien. Nous allons lui poser la question tout à l'heure. Oui. Excusez-moi, ne coupez pas, j'ai quelque chose à un autre point. Oui, je vous en prie. Jemeldine, j'ai du respect beaucoup pour vous aussi. Merci. Et je tiens à vous dire que je vous suis un petit peu partout, dans tout ce que vous faites, et c'est formidable. Merci. Mais j'ai personnellement une situation dont j'aimerais bien vous faire part, que ce soit dans votre émission ou dans une autre émission. J'aimerais bien que vous preniez contact avec moi. C'est une situation assez drastique, et je souhaiterais... Donc, vous me donniez cette chance. Prenez contact maintenant avec le soutien technique. Ils vont prendre votre numéro de téléphone et nous vous appellerons. Abdelhak va prendre votre numéro et nous vous appellerons pour en discuter. Merci beaucoup, Yacine. Je reçois à présent Zineb de France. السلام عليكم الأخ بن شنوف. وعليكم السلام أهلا بك أختي مرحبا بك. هذا إن دل على شيء وإنما يدل على أن مؤسسات الدولة انهارت وأصبحت الزاوية هي التي تسير. هذا معناه استحمار للشعب الجزائري. نحن في عصر نانو تكنولوجي والنيميريك وهم يهدرون درك على الزاوية يعني الدولة البدائية. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. شكون معنا؟ ألور محمد من وهران. محمد من وهران. Nous l'avons perdu. Alors, Brahim Younsi, je reviens à vous très brièvement. Yacine vous a demandé pourquoi vous avez créé un parti. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les idées qui sont les nôtres ne sont pas représentées. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un parti qui est un parti qui lit et qui travaille sur un plan théorique sur l'islam et la démocratie.
Et ce travail-là n'a pas commencé depuis la création de ce que nous avons appelé l'Union des démocrates musulmans. Mais la démocratie, nous la prenons comme un moyen de gestion, et un moyen de gestion, et notamment de la gestion des conflictualités. Parce que dans toute société, quelle qu'elle soit, les conflits émergent. Et chez nous, il y a des conflits linguistiques, il y a des conflits religieux, de type religieux. L'islam n'est plus, hélas, aujourd'hui on le voit à travers cette zaouïa en particulier, n'est plus ce recours à travers les ordres injustes, ce recours de dernière instance. D'accord, restez avec nous, Brahim Younsi. Ahmed, en France. Ahmed. أم أحمد من فرنسا. Est-ce qu'elle est avec nous, أم أحمد؟ On l'a perdu. Allô, non, allô. Non, je suis là. Ah, je vous en prie, أم أحمد, exprimez-vous. Vous êtes en direct. Je vous en prie. السلام عليكم, سي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله, أم أحمد. مرحبا بك. واش راك مسيو بن شنو؟ لاباس, يبارك فيك, الله يعيشك, يبارك فيك, ميرسي بوكو. انا كنشوفك نفرح كل 10 سنه فيك بوندون, دايما معاك ملي بديتي وانا معاك. ربي يكبر قدرك. حاجه واحده ما عجبتنيش. اتفضلي. الوغ, حاجه واحده ما عجبتنيش, كي نشوف سي خوينا اللي جا ساق الجزائر ويلبسوا فيه في القنادر. نعم, راني في حاله. شكون ما فهمناش مليح, شكون اللي ما عجبكش؟ ام احمد, اون لا بيردو. الوغ, معنا كمال دو ميلوز. دو كمال دو ميلوز, اهلا بك سي كمال, تفضل, جو زون بري. Écoutez, j'aimerais intervenir. Écoutez, je viens de mettre la chaîne, là. Oui. Et j'ai vu l'émission. Et j'aimerais intervenir un petit peu sur ce qui se passe dans notre pays. Je vous en prie. L'Algérie, bien sûr. Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. J'ai été au mois de janvier au Bled, là, et j'ai vu, par exemple, un petit exemple. J'ai vu l'eau potable qui se mélange avec les eaux usées. Oui. Est-ce que je peux intervenir pour ce sujet? C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui n'est pas celui-ci et les interventions doivent être relativement brèves. Donc moi, je vous conseille de rappeler, lorsqu'il y aura une émission qui sera à peu près de cet ordre-là, qui traitera de ce genre de sujet, si vous voulez bien. Merci Kamel de France. Et nous prenons Rachid de... Oui, salam alaikum, c'est Kamel. Alaikum salam, Rachid de Paris. Tfadal khoya Rachid. Ya al-haram, li nadiou bel Jazayir. Allahu ghalib. Oui. Quand tu le système ta'ana, chaque fois que tu le téléphones, tu le téléphones, tu le téléphones, tu le ولينا دروك للزاويات ستادي الروتور وموين عاش. وي. تروح للامام خلاص يدير لك فتحه كلش راك مسموح في كلش راك باري من كلش. فات وراهم 1300 مليار فوق لي زالجيريان سورغانيز ولا دياسبورا سوا الانتيريور دي بيي مي ما لازمش يطيحوا في الفخ. جو في ان ابيل او بوبل الجيريان كي ايتي ارناكي فولي. Smart. Madame. Qu'il fasse une transition dans le calme, parce que donc ça va être plus que le bazar. Barakallahu fik, barakallahu fik, c'est Rachid Brahim du Canada. Jamal, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, c'est Brahim. Jamal, c'est un très bon sujet à aborder tout le monde. C'est un très très bon sujet, c'est concernant la zéouia. La zéouia, Jamal. Oui, oui, on vous entend très bien. Tfadal. Jamal, Zawiya al-Fatawi taha li dertom, c'est qu'elle a fait dans l'époque coloniale, le jour où le Zawiya dans les années 20, harmat, elle a interdit même du'a contre la France. Je crois que le même scénario se répète maintenant. Moi, je vais te donner un très bon exemple. En 1990,
dans le Yémen, un certain Cheikh Zindani, je crois que tu le connais. Oui, là, oui, oui. Il a fait une fatwa, c'est d'appeler les Palestiniens à quitter la Palestine. Dans le temps, moi, je dis à un ami, normalement, ce monsieur-là, en Israël, a fait Palestine. Israël, Vous êtes sûr de... C'est une information énormissime. Je n'en ai jamais entendu parler. Non, moi, je suis sûr, il a fait une fatwa, et après, j'ai dit à quelqu'un que lui, il connaît. Lui, il connaît. J'ai dit, mais il connaît. Moi, je lui dis, dans les années 20, en Algérie, il y avait ses frères. Comment ils ont fait une fatwa qui interdit à l'Algérien même de faire du'a contre la France? Donc, le Zawiya, c'est... Comment dirais-je, ils sont sortis de l'histoire. C'est... qui m'a dit, Malik bin Abdullah, rahmoullahi sallam, خرجوا من الحضارة ناس ميتين عقولهم ميتة شي تو في نورمال نيمبورت لوكي بخروف ولا بنعجة تشريح. ميرسي ابراهيم شي اوبليجي دو انتيرومبر اكسكوزي موا. alors Hassan de Paris, nous allons encore prendre deux ou trois appels et nous revenons à Ibrahim aussi puisque nous n'avons plus de temps. Hassan de Paris. Bonsoir, c'est Jamel. Vous serez croyant. Bonsoir. Je crois que c'est Hassan Sahbi là, mon collègue, mon confrère. J'ai reconnu la voix. Vous serez Hassan. Voilà, c'est Jamel. Je vois que ces jours-ci, vous intervenez par rapport à quelque chose en fait que je juge comme étant le cœur vraiment du sujet, en fait, hein, la corruption, ouais. Tant d'ailleurs financière, ouais. Mentale et même spirituelle. Moi, j'estime, je vais paraître un peu simpliste, voire superficiel, mais je pense que c'est vraiment le cœur de la crise algérienne, à mon avis. Mais ce qui me tracasse un petit peu, si jamais, c'est qu'on se focalise sur c'est Abdeslam Bouchouareb, c'est Chakib Khalil, comme si c'était une découverte. Moi, j'estime en fait que c'est un problème qui a perduré depuis des décennies en Algérie. Rappelez-vous la décennie Chadli et Outla. Et puis surtout, en fait, moi, j'estime que le peuple algérien, hein, si on l'a pas vraiment, hein, s'il y avait ne serait-ce qu'un minimum de justice sociale, n'aurait pas trouvé à redire. C'est le fait justement que beaucoup se sont accaparés comme ça des richesses du pays. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, une corruption morale et spirituelle. On nous a volé pratiquement tout, tous les idéaux, tous les rêves, tout, c'est ça le plus important. Merci Hassan. Hassan, voilà. Je suis obligé de vous interrompre, sinon ils vont dire c'est son ami, il n'a pas interrompu. Donc, Mana Mohamed de Paris. Mohamed. Allô. Mohamed, Fadal. Fadal, c'est Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Allez, c'est Mohamed. Fadal, je vous en prie, allez-y. Oui, moi, je voulais intervenir sur votre émission. Ben, je voulais vous dire que... Allô. Je vous en prie, exprimez-vous. Nous vous écoutons. Allez, c'est Mohamed. Allô. Nous vous écoutons, c'est Mohamed. Exprimez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. D'accord. Ben, moi, je regarde l'émission et je vois que vous vous étonnez de cette Zawiya. Du moment qu'ils l'ont élu. Ils ont élu qui, la Zawiya? Non, le président, la Bouteflika, là. Oui. Du D'accord. moment qu'ils l'ont élu en tant qu'un infirme, on va dire, un infirme, un handicapé, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui peut même pas vous regarder en face. Donc ils ont osé faire ça à notre peuple. Et je vois pas de quoi on va s'étonner après. Merci, Khoya Mohamed. En rappelant qu'on peut très bien être handicapé, infirme, être chef de l'État. Il y a des cas connus dans l'histoire, ça ne diminue en rien le mérite intrinsèque des personnes en situation de handicap.
Mais dans le cas de Abdelaziz Bouteflika, c'est plus grave que ça. Ce n'est pas un handicapé. C'est un monsieur qui a perdu la totalité ou presque de ses capacités mentales et cognitives. Mohamed de France, ce sera notre dernier appel avant de revenir à Brahim. Alain Bek, c'est Mohamed, je vous en prie. اخي انا غادي نطرح لك سؤال تفضل تواجدني باسكو ما فهمتش هي دي شوز اللي ما فهمتش في البلاد ما سي جو بو vous répondre je vous répondrai تفضل داكور اخي احنا راني نقولوا بلي عندنا دوله اسلاميه فرانشمون عندنا جوامع عندنا كلش عندنا العلماء راهم يقولوا يدعوا بالقوه بلي عندهم علماء عندهم كلش نورمالمون العلماء هما اللي يديروا جلطيه سي با دي زوتر دا des voleurs qui dirigent les pays. Hakda khay. Chouf, الناس راه تخون والعلماء ساكتين. الأئمة ساكتين أخي. واش حنا عندنا دولة إسلامية ولا شتا هو أخي؟ Voilà, d'accord. Merci, c'est Mohamed. Moi, je ne pense pas que عندنا دولة إسلامية. Moi, j'ai jamais entendu dire que Jazair دولة إسلامية. Ça s'appelle République algérienne démocratique et populaire. Ça s'appelle pas République islamique. Sauf que vous avez raison. En une chose, c'est que l'article 2 de la Constitution dit l'islam est la religion de l'État. Mais sinon, je pense que c'est plus grave que ça, que le fait que ce soit islamique ou pas islamique, des gens qui s'engagent en politique au nom de l'islam pour masquer, adouber, blanchir, laver des criminels et un régime mortifère, criminel, mafiocrate. C'est grave que ce soit une république islamique ou non, de toutes les façons. Brahim Younsi, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous laisse donc conclure. Vous savez, je ne devrais peut-être pas le dire. Concernant la soumission de ce qui est le dernier intervenant l'a dit d'une certaine manière, en Tunisie, par exemple, contre Bourguiba, buvait son verre d'eau pendant le mois de Ramadan, en plein Ramadan. Il avait été critiqué par un collège de chouyour, de ulama, etc. Il avait fait venir, c'est ce qu'on m'a raconté, des Tunisiens m'ont raconté cela, est-ce vrai ou pas, Dieu seul le sait. Et puis il invite le premier des chefs religieux tunisiens parce qu'il l'avait critiqué. Et pour lui dire, pourquoi tu me critiques alors que, parce que je bois mon ramadan. Et on m'a dit que Bourguiba lui sert du jus de fruits, alors c'était une période de jeûne. Et ce chir aurait... Je préfère me prévenir et ne pas le salir, d'ailleurs j'ai oublié son nom, aurait bu ce verre de jus de peur. De peur qu'il ne soit mis dans le même sac que ceux qui ont critiqué Bourguiba. D'une part, et d'être arrêté, d'être mis en prison, qu'on lui saisisse, par exemple, peut-être ses biens, etc., etc. Je crois qu'il y a aussi une certaine peur. Les gens ont peur. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent servir et qui servent, et dont on a parce qu'ils en tirent, hélas, un bénéfice, et on le voit et matériellement parlant, parce que moralement, ils sont sales. Ils sont très sales moralement. Aujourd'hui, nous parlons des questions matérielles. Or, ce qui a été détruit dans ce pays, parce que tout ce qui est matériel, se reconstitue par le travail, par la persévérance, etc. Mais ce qu'on a tué chez l'Algérien, on a tué sa culture, on a tué son identité, on a tué sa psychologie. Et cela, et très difficilement, et bien sûr sur le plan moral, bien sûr que la société, toute la société, il n'y a pas que le pouvoir. Et je ne le dis pas pour les petites gens qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de se débrouiller, et qui Merci. Ont besoin d'avoir telle ou telle personne pour intervenir pour elles. Merci. Merci. Merci Brahim Younsi, je suis obligé de vous interrompre. Nous avons largement
dépasser le temps de l'émission. En effet, les gens se servent de la religion pour, comme ils se servent de la révolution, comme ils se servent de légitimités diverses et variées. Et je crois que c'est pour ça que, d'ailleurs, le Montesquieu l'a dit quand il a parlé de la séparation des pouvoirs. Quiconque dispose du pouvoir est censé en abuser, aussi faut-il le partager ou le diviser ou le séparer. Du moins, je dis ça en substance. Hein. C'est pour ça, je crois qu'il ne faut donner de chèque à blanc à personne, quel qu'il soit, ni à celui qui parle au nom de la révolution, ni à celui qui parle au nom des droits de l'homme, ni à celui qui parle au nom de la religion, ni à quiconque. Seul le peuple doit être en mesure de décider et de choisir sa voix et ceux qui le gouvernent. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci aux téléspectateurs qui nous ont appelés. Merci à Brahim Younsi de nous avoir accompagnés. Prawa al-khair, bislamah.